bonsoir petit caillou, c'est Pierre qui roule. Bienvenue sur la petite chaîne Twitch, hein, ou si vous regardez aussi cette vidéo, c'est sur YouTube. Alors aujourd'hui, bah, c'est pas un test des tests d'un énième jeu de merde ou pas du Game Prout de Microsoft Xbox. Là, c'est une démo de jeu, donc c'est un test découverte d'un jeu qui s'appelle Like a Dragon Ishin et qui est sorti actuellement. Hein, à la vente et tout ça, alors, je sais pas combien il vaut, hein. Je pense qu'il va vouloir, comme tous les autres jeux, 70-80 euros. Mais si vous voulez savoir ce que c'est, bah, au lieu de claquer votre fric pour rien dans le vent, sachant qu'il n'est pas sur le Game Prout, hein, vous allez dans le store Xbox, vous allez descendre sur démonstration de jeu, et dans démonstration de jeu, vous allez trouver, puisque on peut jouer à la démo du jeu. Allons-y! Ah, c'est des modes spéciales démo, c'est pas l'histoire. Regardez, c'est marqué en dessous, échappez-vous du temple. Mode spécial démo. Ok. Gameplay. Aucune vibration. Dans chacun jeu, je mets pas de vibration. Ouais. Pas bien. Ah ouais, aussi visible l'une que l'autre. Alors c'est comme ça. Ouais, ça peut être pas mal ça. Ouais. Moi j'aime bien quand c'est un jeu est facile. Voilà. Très bien. Allez, on va faire ça. Rien compris. LT. Ok, c'est un truc avec des cartes. Ouais. On va jouer en débutant. Je connais rien à ce jeu-là. Que dalle. Je sais pas ce que ça va être. Peut-être que ça va être bourrin. Hein. Alors, LT. Là. D'accord, ok. Par contre, c'est très sombre. Hein. Oh, c'est pas du tout mon type de jeu. Je pense que les gens qui jouent le jeu là, ils vont aimer. Ça, on est sur Xbox Series X, j'allais dire à 360. Mais non, j'ai Series X les enfants. Series X. Et regardez-moi ce jeu. À quoi ça sert de claquer 500 euros et d'avoir une CRX pour jouer à des jeux pareils?
c'est un jeu d'Xbox One, mais même pas. C'est un jeu d'Xbox 360. Et ils l'ont pas vendu 70 euros, rassurez-moi. Ce jeu de merde. Ça, j'arrive pas à casser la putain de barre là. Les graphismes sont tout pourris. On est sur Xbox One ou 360 là. C'est là aussi le massacre, c'est quoi ce jeu de merde? Ne me dites pas qu'il est... Il est vendu combien ce jeu de merde? Il est vendu combien ce jeu de merde? Je vais regarder sur internet, je suis curieux. C'est quoi Like Dragon Ishi? Like... Dragon Ishin, d'accord? On va voir combien il est vendu. Alors... On de la merde. Shopping. Bon, d'après ce que je vois, ça me rassure. Enfin, ça me rassure, c'est quand même cher pour ce que c'est. Il est quand même vendu sur Series X à 60 euros, hein, cet enfoiré, à la Fnac ou Amazon. Hein. Sur PS5, il est moins cher, il est à 45 euros. Tu m'expliques pourquoi sur PS5, il est moins cher que sur Xbox? 45 euros Amazon et ses discounts pour la version PS5 de ce machin-là. Et de ce jeu de merde. Et 60 euros pour Xbox. Pour ce jeu de merde qui pour moi vaut maximum 30 euros. Mais gardez-moi, on se dirait sur. Mais c'est putain, les jeux d'arcade c'est pour les bonnes d'arcade. C'est pas pour une série X. Mes graphismes de merde. Oh là là. Putain. Allez, bon, on va arrêter les. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais c'est de pire en pire les jeux vidéo. Oh là là, bah c'est au moins c'est bien, ça le mérite de savoir si c'est un jeu ou pas. Téléchargez la démo, jouez-y si la démo ça vous plaît pas. Ça c'est pas la peine de claquer 60 euros sur Xbox Series X pour jouer à un jeu de merde, pareil. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il est pas sur le GamePro de Microsoft Xbox, parce que franchement, il a dignement sa place dans les 99% jeux de merde. Voilà. Bon allez, sur ce, bonne soirée, bonne journée. Bye bye, à plus dans l'Airbus, comme on dit les petits cailloux. Ciao ciao.